Bonjour mes amis. Donc aujourd'hui, nous allons lire un livre. So we're going to read a book today called Norbert fait un gâteau. And in this story, Norbert, if you look at the picture, okay, Norbert est un ours. Okay, Norbert est un ours. So what kind of animal is un an ours? It's a bear, okay? And what is Norbert going to make in the story? Un gâteau. Qu'est-ce que c'est un gâteau? A cake. So, Norbert fait un gâteau. So, we already know that Norbert is an ours. We know that he's going to make a gâteau. Voila. So, we're going to go through the story together, um, look at the pictures, try to figure out what words might mean. I'll talk you through it a little bit. Um, and we'll practice a little bit after. And then next week, um, I'm going to give you some activities that you can do with the story once you're familiar with it and you know some of the vocabulary. So, let's get started. So, il est dans la cuisine. Okay, so il est, you're gonna see this a lot. Il est, it's he is. Okay, we're talking about Norbert. Donc il est dans la cuisine. Now a lot of these words you know already, so I'm gonna let you do that. So you just kind of figure that out. Donc Norbert est dans la cuisine. So look at the picture. Voilà, Norbert est dans la cuisine, n'est-ce pas? Bon. Et il met un tablier bleu. So look at bleu. Voilà. Donc il met un tablier bleu, n'est-ce pas? So, what do you think a tablier is? It's an apron. Voilà. Donc, il met un tablier bleu. Excellent. Et puis, il lit une recette dans un livre. So, lit, that's from lire. Remember lire? Nous allons lire une histoire. So, il lit, il lit une recette dans un livre. So, we know what un livre is. So, une recette. So, what do you think he's reading? Une recette. That is a recipe. Donc, il lit une recette dans le livre. Et puis, il prépare, you can figure out prépare, la pâte à gâteau. Hmm. So, we know the word gâteau, that's cake, right? Donc, il prépare la pâte à gâteau. So, he's creating the, what do you see in there? What's he all making? He's making the batter, la pâte à gâteau. Donc, il prépare la pâte à gâteau, n'est-ce pas? Et puis, il met le gâteau au four. So, il met is he puts. Okay, so il met le gâteau. Il met le gâteau au four. So, where is he putting it? In the four? So, what do you think le four is? The oven. Donc, il met le gâteau au four. Excellent. Et puis, il quitte la maison. Il dit, au revoir la maison. So, he leaves la maison. Mais, la you know, maison is the house, right? So, il quitte la maison. Mm -mm. So he goes to a magasin, which is a store. Okay. Il achète. So he buys. Il achète des bougies. Il achète des bougies au magasin. Bougies, you can see in the picture there, those are candles. Voilà. Donc, il achète des bougies. He buys candles au magasin, the store. Il achète des bougies au magasin. Oh là là. Il rentre à la maison. Comes back. Il rentre à la maison. <laughs> il y a un problème. oh là là. oh là là. il y a de la fumée. il y a as there is. de la fumée. fumée is all that white stuff you see in the air. what is that? smoke. so he goes back home. il rentre à la maison. et il y a de la fumée. il y a de la fumée. oh là là. quel problème. le gâteau est brûlé. brûlé. So what's the problem with the gâteau right now? It's brûlé. It's burnt. Oh là là. Oh là là. Le gâteau est brûlé. Oh là là. So this is the reaction of Norbert. Il pleure. Il pleure. We can see what that means, huh? Il pleure. Why, why pourquoi est Why why is he, why is he Pleur, why is he, um, I can't think of the word in English, uh, crying, why is he crying? Il pleure, because the gâteau is brûlé, right? Brûlé, burnt. But he has an idea. Il prépare un gâteau, so he makes a cake, with pâte à modeler. Pâte à modeler, hmm, that is clay, or like Play-Doh, okay? So he decides he's going to make it at least look like a cake, for, um, it's actually his sister's birthday, we're going to see. And so he decides that since it's burnt, eh, I'll make um, a cake out of pâte à modeler. Donc, il prépare un gâteau avec de la pâte à modeler. Oh là là. Et puis, il met les bougies sur le gâteau. Remember when he put the cake in the oven? Il met. So, he put les bougies. You see the little bougie? Sur le gâteau. So, what does he put on the cake? Les bougies, see the little bougies that he's putting on the gâteau? Et il allume les bougies. Allumer, allumer. So, so, he lights them. Il allume les bougies. Il met les bougies sur le gâteau. Et puis, il allume les bougies. Voilà. Et puis, il chante. Il chante. Il chante. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à sa sœur. Voilà, il chante Joyeux anniversaire à sa sœur. Ok, excellent, très bien. So now let's look at some of this. So we said il met un tablier bleu. Do you remember what a tablier bleu is? Hmm. Il lit une recette dans un livre. Il prépare la pâte à gâteau. Il met le gâteau au four. Il quitte la maison. Il achète des bougies au magasin. so let's go back to the first one il met un tablier bleu remember that was the apron the blue apron il lit une recette dans un livre so what was une recette that was the recipe that it reads in the book il prépare, il prépare la, gâte, la pâte à gâteau do you remember what la pâte à gâteau is that's the batter il met le gâteau au four so do you remember where what le four is where does he put that cake Dans le four, in the oven, et puis il quitte la maison, voit la maison, so he leaves, voilà, et puis il achète des bougies au magasin. tu you remember what les bougies are? Les bougies, candles, right? And where does he buy them? Au magasin, excellent. And then il y a de la fumée, le gâteau est brûlé, il pleure, il prépare un gâteau avec la pâte à, de la pâte à modeler. Il allume les bougies et il chante joyeux anniversaire à sa sœur. So, il y a de la fumée. Do you remember what la fumée is? Yeah, look at that picture. De la fumée. Ouh. Le gâteau est brûlé. C'est le problème avec le gâteau. Le gâteau est brûlé. And then his reaction, sa réaction, il pleure. Oh là là, il pleure, il pleure. Et puis il prépare un gâteau avec de la pâte à modeler. Do you remember what la pâte à modeler is? Voilà, it was the play-doh, the clay, voilà. Et puis, il allume, les il allume les bougies. What does he do with the candles? He lights them, voilà. Et puis, il chante Joyeux Anniversaire à sa sœur, voilà. So what does he sing to his sister? Joyeux Anniversaire, Joyeux Anniversaire, voilà. See, all these new words, and you can totally understand this entire story of what happened with Norbert. Tons of new words in there. Um, and I'm going to give you a sheet where you can see all of these words and what they mean so you can work with them next time. So I hope you enjoyed this story of Norbert qui fait un gâteau. Um, there is a document. Um, here in the website for you, where you can um, look at it on the screen with all of the words that go along with the story and the words and what they mean. So take some time, watch this video one or two times this week, uh, maybe read it um, in the story that you can download, look over some of the new words and get really comfortable with them because next week I'm going to give you some activities that you can do with Norbert fait un gâteau. Okay? Excellent. Au revoir, mes amis.